Monsieur le Président, la majorité républicaine à la Chambre des représentants est prête à travailler avec vous pour faire ce qui est bon pour notre pays. Voilà exactement ce que j'ai dit au Président plus tôt aujourd'hui. C'est la volonté des Américains et nous la respecterons. La réelle croissance économique nous a échappé pendant le premier mandat du Président. Sans elle, nous ne pouvons pas résoudre notre problème d'endettement. Pour conclure un accord entre les partis et commencer à résoudre le problème, nous sommes prêts à accepter de nouvelles sources de revenus si les conditions sont adéquates. Monsieur le Président, c'est à vous de jouer. Nous sommes prêts à être dirigés, pas en tant que démocrate ou républicain, mais en tant qu'Américain. Nous voulons que vous gouverniez, pas en tant que libéral ou conservateur, mais en tant que président des États-Unis. Nous voulons que vous réussissiez. Essayons de trouver le terrain d'entente que nous n'avons pas trouvé jusqu'ici. Élevons-nous au-dessus des dysfonctionnements et faisons ce qu'il faut pour le pays.